Mes amours, tout au long de mes vidéos, je vous ai prouvé que de nombreux fruits et légumes ou même des épices culinaires pouvaient être utilisés pour traiter certaines infections sans avoir besoin de recourir à un traitement médical. Voici de nouveau une recette naturelle très puissante à base d'ail, idéale pour une santé saine. Elle est composée d'un mélange d'ail, de lait chaud et de miel. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de 500 ml de lait, 10 gousses d'ail. Bien sûr, pour une toute petite quantité, vous pouvez prendre une ou deux ou trois gousses d'ail, 2 à 3 cuillères à café de sucre ou même de miel, un tout petit peu d'eau si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, dans ce que vous allez faire, comme vous me voyez faire dans la vidéo, hein, vous prenez votre lait, vous allez le mettre à chauffer. Ensuite, vous allez rajouter de l'ail et du miel. Bien sûr, vous pouvez le sortir du feu avant de faire ça, ou même vous pouvez tout mettre avant, c'est comme vous voulez. Mais une fois que c'est bon, laissez le lait monter à ébullition, remuez bien jusqu'à ce que le mélange soit réduit de moitié. Filtrer et vous pouvez boire la boisson chaude. Maintenant, vous allez me dire, mais Rose, pourquoi est-ce qu'on prépare tout ça? Alors, sachez que pour ceux qui souffrent d'asthme, vous pouvez consommer ceci la nuit. C'est un meilleur traitement naturel pour vous. C'est tout simplement exceptionnel. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui souffre de pneumonie, buvez cette boisson à base d'ail, de miel et de lait chaud. Ce traitement est très efficace contre la pneumonie. Pareil pour ceux qui ont des problèmes cardiaques. Cette boisson réduit efficacement le taux de mauvais cholestérol et empêche la formation des caillots, de l'arthrite. Consommez du lait, de l'ail et du miel quotidiennement. Ceci vous permettra de réduire les symptômes de l'arthrite, de l'inflammation et même des douleurs. En cas d'insomnie, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, le lait, l'ail et le miel réduisent les troubles du sommeil grâce aux propriétés apaisantes de l'ail, bien sûr. Si vous souffrez de la toux, bon, ça je ne vais pas vous apprendre parce que je pense que tout le monde connaît cette recette. Si vous combinez un tout petit peu de curcuma dans ce mélange, vous aurez tout simplement une boisson excellente pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez préparer de l'ail, du curcuma, du lait et du miel pour le traitement de la toux. Le lait a des effets antibactériens puissants. C'est un remède incroyable contre la toux. Si vous ajoutez un petit peu de miel à ce mélange, alors vous obtiendrez un excellent expectorant pour vous débarrasser des mucus et des glaires tousseux. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser ceci pour la tuberculose pulmonaire. Voici donc la recette. Vous mélangez 1 g d'ail, 240 ml de lait et 1 litre d'eau. Faites bouillir tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que vous n'obteniez plus qu'un quart de la décoction. Prenez ce remède 3 fois par jour et je vous assure que ça va vous sauver la vie. Pareil, en cas de cholestérol, si vous consommez du lait et de l'ail chaud chaque jour pendant une semaine, ceci vous permettra de réduire votre taux de lipoprotéines de basse densité ou même de mauvais cholestérol et vous permettra d'accroître le taux de lipoprotéines de haute densité ou encore votre bon cholestérol dans le corps. Pareil, j'en avais parlé en cas d'impuissance chez vous, messieurs, la recette de l'ail et du lait et du miel est exceptionnelle. C'est un bon remède contre l'impuissance chez les hommes. En outre, sachez ceci, mangez des morceaux d'ail dur combat avec succès la stérilité chez les hommes et même chez les femmes, je vais vous dire. Donc, enfin, on va terminer par sciatique. Oui, tout le monde connaît cette recette pour ce mal-là qui ronge beaucoup de personnes. L'ail au lait est un remède efficace pour les douleurs de nerfs sciatiques. La consommation de ce remède sur une base régulière vous aidera à réduire avec succès vos douleurs sciatiques. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. S'il vous plaît, partagez ceci, partagez pour que ça touche un maximum de personnes. Je tiens aussi à préciser, pour ceux qui sont spiritueux, pour ceux qui sont superstitieux aussi, vous pouvez utiliser ça contre la sorcellerie, contre les gens qui vous pourchassent, contre les gens qui vous font avoir des couches nocturnes, des rêves nocturnes. Hein, ça peut même lutter contre la ménopause précoce. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que vous allez me dire que c'est du charlatanisme. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.